Chers amis, avant de commencer mon discours de mise en garde, permettez-moi de vous adresser à tous mes chaleureuses salutations. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, je vous parle personnellement à travers cette vidéo qui a été produite quelques jours avant la conférence sur l'identité catholique 2020. Comme vous pouvez le voir, je vais très bien. Ma santé est excellente et mon esprit est encore meilleur. C'est aussi grâce à vos prières, au soutien et à l'encouragement que je reçois de vous et de tant d'amis et de frères du monde entier. Ensemble, nous sommes tous unis dans la prière et dans le saint combat que nous sommes appelés à mener. Chacun sur son front respectif, tous réunis sous le manteau de la Très Sainte Vierge, la Reine des Victoires, et sous la protection de l'Archange Saint-Michel. Je tiens particulièrement à remercier Michael Matt, qui m'a aimablement invité, avec une sainte persistance, à vous parler. Je pense que le moment est venu pour moi de délivrer ce message. Le sujet de mon exposé sera « Comment la réforme du Vatican II sert le nouvel ordre mondial ?» Nous vivons à une époque hors du commun. Comme chacun de nous l'a probablement compris, nous nous trouvons à un moment historique dans le temps. Les événements du passé, qui semblaient autrefois déconnectés, se révèlent désormais indiscutablement liés, tant par les principes qui les inspirent que dans les objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Un regard juste et objectif sur la situation actuelle ne peut que saisir la cohérence parfaite entre l'évolution du cadre politique mondial et le rôle que l'Église catholique a joué dans l'établissement du nouvel ordre mondial. Pour être plus précis, il faut parler du rôle de cette majorité apparente dans l'Église, qui est en fait peu nombreuse, mais extrêmement puissante, et que, pour être bref, je résumerai comme étant l'Église profonde. Il n'y a évidemment pas deux Églises. Ce serait impossible, blasphématoire et hérétique. Et l'unique véritable Église du Christ n'a pas non plus failli dans sa mission en devenant une secte. L'Église du Christ n'a rien à voir avec ceux qui, depuis 60 ans, exécutent un plan pour l'occuper. La corrélation entre la hiérarchie catholique et les membres de l'Église profonde n'est pas un fait théologique, mais plutôt une réalité historique qui défie les catégories habituelles et en tant que telle, cela doit être analysé. On sait que le projet du nouvel ordre mondial consiste en l'instauration de la tyrannie par la franc-maçonnerie. C'est un projet qui remonte à la Révolution française, au siècle des Lumières, à la fin des monarchies catholiques et à la déclaration de guerre envers l'Église. Nous pouvons dire que le nouvel ordre mondial est l'antithèse de la société chrétienne. Ce serait la réalisation de la diabolique Civitas Diaboli, la cité du diable, opposée à la Civitas Dei, la cité de Dieu,
dans la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, Dieu et Satan. Dans cette lutte, la Providence a placé l'Église du Christ, et en particulier le souverain pontife, comme catéchon, c'est-à-dire celui qui s'oppose à la manifestation du mystère de l'iniquité. Deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Et la Sainte Écriture nous avertit qu'à la manifestation de l'Antéchrist, cet obstacle, le catéchon, aura cessé d'exister. Il me semble bien évident que la fin des temps approche maintenant sous nos yeux, puisque le mystère de l'iniquité s'est répandu dans le monde avec la disparition de la courageuse opposition du catéchon. Ne commettons pas l'erreur de présenter les événements actuels comme normaux en jugeant ce qui se passe avec des paramètres juridiques, canoniques et sociologiques qu'une telle normalité supposerait. Pendant ces temps hors du commun, et la crise actuelle de l'Église est en effet hors du commun, les événements dépassent l'ordinaire que connaissaient nos pères. Pendant ces temps hors du commun, nous pouvons entendre un pape trahir les fidèles, voir des princes de l'Église accusés de crimes qui, en d'autres temps, auraient suscité l'horreur et auraient été punis sévèrement. Être témoin dans nos églises de rites liturgiques qui semblent avoir été inventés par l'esprit pervers de Cranmer, voir des prélats opérer l'idole impure du Pachamama dans la basilique Saint-Pierre, et entendre le vicaire du Christ s'excuser auprès des adorateurs de cette idole. Si un catholique ose la jeter dans le Tibre, pendant ces temps hors du commun, nous entendons un conspirateur, le cardinal Gottfried Daniels, nous dire que depuis la mort de Jean-Paul II, la mafia de Saint-Gall complotait pour élire l'un des leurs à la chaire de pierre, qui s'est avéré plus tard être Jorge Mario Bergoglio. Face à cette révélation déconcertante, nous pourrions bien être étonnés que ni les cardinaux, ni les évêques n'aient exprimé leur indignation ou demandé que la vérité soit mise en lumière. Je vais maintenant parler de l'éclipse de la véritable Église. Depuis 60 ans, nous avons assisté à l'éclipse de la véritable Église par une anti-Église qui s'est progressivement approprié son nom, a occupé la curie romaine et ses dicastères, diocèses et paroisses, séminaires et universités, couvents et monastères. L'anti-Église a usurpé son autorité et ses ministres portent ses vêtements sacrés. Elle utilise son prestige et son pouvoir pour s'approprier ses trésors, ses biens et ses finances. Comme dans la nature, cette éclipse ne se produit pas d'un seul coup. Elle passe de la lumière à l'obscurité lorsqu'un corps céleste s'insère entre le soleil et nous.
Il s'agit d'un processus relativement lent, mais inexorable, dans lequel la Lune de l'anti-Église suit son orbite jusqu'à ce qu'elle chevauche le Soleil, générant un cône d'ombre qui se projette sur la Terre. Nous nous trouvons maintenant dans ce cône d'ombre doctrinal, moral, liturgique et disciplinaire. Ce n'est pas encore l'éclipse totale que nous verrons à la fin des temps, sous le règne de l'Antéchrist. Mais il s'agit d'une éclipse partielle qui nous permet de voir la couronne lumineuse du Soleil encerclant le disque noir de la Lune. Le processus qui a conduit à l'éclipse actuelle de l'Église a commencé avec le modernisme sans aucun doute. L'anti-Église a suivi son orbite, malgré les condamnations solennelles du magistère, qui pendant cette phase continuait à briller de la splendeur de la vérité. Mais avec le concile du Vatican II, les ténèbres de cette entité fallacieuse se sont abattues sur l'Église. Au début, elle n'en obscurcissait qu'une petite partie, mais l'obscurité s'est progressivement propagée. Quiconque montrait alors le soleil en disant que la lune allait certainement l'obscurcir était accusé d'être un prophète de malheur, avec ses formes de fanatisme et d'intempérance qui découlent de l'ignorance et des préjugés. Le cas de l'archevêque Marcel Lefebvre et de quelques autres prélats confirme d'une part la clairvoyance de ces bergers. Et montre d'autre part la réaction désordonnée de leurs adversaires, qui par peur de perdre leur pouvoir, ont utilisé toute leur autorité pour nier les preuves et garder cachées leurs véritables intentions. Pour suivre l'analogie, on peut dire que dans le ciel de la foi, une éclipse est un phénomène rare et non ordinaire. Mais nier que pendant l'éclipse, l'obscurité se répand, simplement parce que cela ne se produit pas dans des conditions ordinaires, n'est pas un signe de foi dans l'indéfectibilité de l'Église, mais plutôt un déni obstiné de l'évidence ou de mauvaise foi. La Sainte Église, selon les promesses du Christ, ne sera jamais écrasée par les portes de l'enfer. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sera pas, ou n'est pas déjà, écrasée par sa contrefaçon infernale. C'est-à-dire par l'anti-Église. Cette lune, nous la voyons, non par hasard, sous les pieds de la femme, dans le livre de l'Apocalypse. Je cite « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. » And on her head a crown of 12 stars. La lune se trouve sous les pieds de la femme, qui, elle, se trouve au-dessus de toute mutabilité, de toute corruption terrestre, au-dessus des lois du destin et de l'humeur de ce monde. Et cela parce que cette femme, qui est à la fois l'image de la Très-Sainte Marie et de l'Église, et Amicta Solae,
revêtu du soleil de la justice, qu'est le Christ, exempte de tout pouvoir démoniaque, parce qu'elle participe au mystère de l'immuabilité du Christ, comme l'a écrit saint Ambroise. Elle reste intacte, sinon dans le royaume militant, du moins dans le royaume souffrant du purgatoire et dans celui triomphant du paradis. Saint Jérôme, commentant les paroles de l'Écriture, nous rappelle que les portes de l'enfer sont les péchés et les vices, en particulier les enseignements hérétiques. Nous savons donc que la même synthèse de toutes les hérésies, représentée par le modernisme et sa version conciliaire actualisée, ne pourra jamais obscurcir définitivement la splendeur de l'épouse du Christ, mais seulement pendant la brève période de l'éclipse, que la Providence, dans son infinie sagesse, permet momentanément pour en tirer un plus grand bien. L'abandon de la dimension surnaturelle. Dans cet exposé, je souhaite en particulier aborder la relation entre la réforme du Vatican II et l'établissement du nouvel ordre mondial. L'élément central de cette analyse consiste à mettre en évidence l'abandon de la part de la hiérarchie ecclésiastique, même au sommet, de la dimension surnaturelle de l'Église et de son rôle eschatologique. Avec le Concile, les innovateurs ont effacé l'origine divine de l'Église de leur horizon théologique, créant une entité d'origine humaine semblable à une organisation philanthropique. La première conséquence de cette subversion ontologique a été la nécessaire négation du fait que l'épouse du Christ n'est pas et ne peut pas être sujette au changement par ceux qui exercent l'autorité par procuration au nom du Seigneur. Elle n'est pas la propriété du pape, des évêques ou des théologiens. Et à ce titre, toute tentative d'adjournamento l'abaisse au niveau d'entreprise qui, pour engranger des bénéfices, renouvelle sa propre offre commerciale, vend ses stocks restants et suit la mode du moment. L'Église, en revanche, est une réalité surnaturelle et divine. Elle adapte sa façon de prêcher l'Évangile aux nations. Mais elle ne peut jamais en changer le contenu d'un iota, ni nier son élan transcendant en s'abaissant à un simple service social. De l'autre côté, l'anti-Église revendique fièrement le droit de procéder à un changement de paradigme. Non seulement en changeant la façon dont la doctrine est exposée, mais aussi la doctrine elle-même. Il est inutile d'insister sur ce que le magistère enseigne. La revendication effrontée des innovateurs d'avoir le droit de changer la foi suit obstinément l'approche moderniste. La première erreur du Concile consiste principalement dans l'absence de perspective transcendante, résultat d'une crise spirituelle déjà latente, et dans la tentative d'établir le paradis sur terre avec un horizon humain stérile. Dans la ligne de cette approche,
la Fratelli Tutti voit l'accomplissement d'une utopie terrestre et la rédemption sociale dans la fraternité humaine, dans la Pax Ecumenica, entre les religions et dans l'accueil des migrants. Sentiment d'infériorité et d'inadéquation. Comme je l'ai écrit en d'autres occasions, les revendications révolutionnaires de la nouvelle théologie ont trouvé un terrain fertile chez les pères du Concile, en raison d'un grave complexe d'infériorité par rapport au monde. Il fut un temps, dans l'après-guerre, où la révolution menée par la franc-maçonnerie dans les domaines civils, politiques et culturels a brisé l'élite catholique, la persuadant de son inadéquation face aux défis de l'époque, qui est maintenant incontournable. Au lieu de s'interroger sur eux-mêmes et sur leur foi, cette élite, évêques, théologiens, intellectuels, a attribué de manière irréfléchie la responsabilité de l'échec imminent de l'Église à sa structure hiérarchique solide comme le roc, à sa doctrine monolithique et à son enseignement moral. En regardant la défaite de la civilisation européenne que l'Église avait contribué à former, l'élite pensait que le manque d'accord avec le monde était dû à l'intransigeance de la papauté et à la rigidité morale des prêtres qui ne voulaient pas s'accommoder Zeitgeist et de l'open up. Cette approche théologique découle de la fausse hypothèse selon laquelle, entre l'Église et le monde contemporain, il pourrait y avoir une alliance, une consonance d'intention, une amitié. Rien n'est plus éloigné de la vérité, car il ne peut y avoir de répit dans la lutte entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Je cite dans la Genèse, « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui tendras des embûches au talon. » C'est une inimitié voulue par Dieu lui-même, qui place Marie très sainte et l'Église comme éternelle ennemie de l'ancien serpent. Le monde a son propre prince, qui est l'ennemi, un meurtrier dès le commencement et un menteur. Faire la cour à un pacte de non-belligérance avec le monde, c'est s'accommoder de Satan. Cela bouleverse et pervertit l'essence même de l'Église, dont la mission est de convertir autant d'âmes au Christ pour la plus grande gloire de Dieu, sans jamais déposer les armes contre ceux qui veulent les attirer à eux et à la damnation. Je vais parler maintenant de l'idem sentire de la Révolution et du Concile. Le sentiment d'inadéquation des pères du Concile n'a été que renforcé par le travail des innovateurs, dont les idées théoriques coïncidaient avec les exigences du monde. Une analyse comparative de la pensée moderne confirme l'idem sentire,
des conspirateurs avec chaque élément de l'idéologie révolutionnaire. Je laisserai la description de ces détails comparatifs dans la version écrite de ma conférence. Lorsque cette anti-Église sera pleinement établie au sein de l'éclipse totale de l'Église catholique, l'autorité de ses dirigeants, c'est-à-dire de l'anti-Église, dépendra du degré de soumission au nouvel ordre mondial, qui ne tolérera aucune divergence par rapport à son propre credo et appliquera impitoyablement ce dogmatisme, ce fanatisme et ce fondamentalisme que de nombreux prélats et intellectuels autoproclamés critiquent chez ceux qui restent aujourd'hui fidèles au magistère. Ainsi, l'Église profonde pourra continuer à porter la marque de l'Église catholique, mais elle sera l'esclave de la pensée du nouvel ordre mondial, rappelant les Juifs qui, après avoir renié la royauté du Christ devant Pilate, ont été asservis à l'autorité civile de leur temps. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Aujourd'hui, César nous ordonne de fermer les églises, de porter un masque et de suspendre les célébrations sous prétexte d'une pseudo-pandémie. Le régime communiste persécute les catholiques chinois et le monde n'entend que le silence de Rome. Demain, un nouveau Titus mettra à sac le temple du Conseil, transportant ses restes dans un musée quelconque. Et la vengeance divine aux mains des païens aura été accomplie une fois de plus. Je vais maintenant parler du rôle instrumental des catholiques modérés dans la Révolution. Certains pourraient dire que les pères et les papes du Concile qui ont présidé cette assemblée n'ont pas réalisé les conséquences que leur adhésion aux documents du Vatican II pouvait avoir sur l'avenir de l'Église. Si tel a été le cas, c'est-à-dire s'il y a eu des regrets ultérieurs dans leur adhésion précipitée au texte équivoque et proche de l'hérésie, il est difficile de comprendre pourquoi ils n'ont pas pu mettre fin immédiatement aux abus, corriger les erreurs, dissiper les malentendus et les omissions. Et surtout, il est incompréhensible que l'autorité ecclésiastique ait été si impitoyable envers ceux qui défendaient la vérité catholique et en même temps si terriblement conciliante envers les insurgés et les hérétiques. En tout cas, la responsabilité de la crise conciliaire doit être imputée à l'autorité, qui même au milieu de 1000 appels à la collégialité et au pastoralisme, a jalousement gardé ses prérogatives, ne les exerçant que dans un seul sens, c'est-à-dire Poussilus Grex, et jamais contre les ennemis de Dieu et de l'Église. Les très rares exceptions, quand un théologien hérétique ou un religieux révolutionnaire a été censuré par le Saint-Office, n'offrent que la confirmation tragique d'une règle appliquée depuis des décennies. Sans compter que beaucoup d'entre eux,
ces derniers temps, ont été réhabilités sans aucune abjuration de leurs erreurs, et même promus à des postes institutionnels dans la Romane Curia, ou les Pontificales Athenaeum. C'est la réalité qui ressort de ce que j'ai décrit ci-dessus. Cependant, nous savons qu'au-delà l'aile progressiste du Concile et l'aile catholique traditionnelle, il y a également une partie de l'épiscopat, du clergé et du peuple qui tente de garder la même distance entre ce qu'elle considère comme deux extrêmes. Je parle des soi-disant conservateurs, c'est-à-dire une partie centriste du corps ecclésial, qui finit par apporter de l'eau au moulin, aux révolutionnaires, car tout en rejetant leurs excès, elles partagent les mêmes principes. L'erreur des conservateurs consiste à donner une connotation négative au traditionalisme et à le placer à l'opposé du progressisme. Leur aurea mediocritas, via les médias, consiste à se placer arbitrairement, non pas entre deux vices, mais entre la vertu et le vice. Ce sont eux qui critiquent les excès de la Pachamama ou de la plus extrême des déclarations de Bergoglio, mais qui ne tolèrent pas que le Concile soit remis en question, sans parler du lien intrinsèque entre le cancer conciliaire et les métastases actuelles. La corrélation entre le conservatisme politique et le conservatisme religieux consiste à adopter le centre, une synthèse entre la thèse de droite et l'antithèse de gauche, selon l'approche hégélienne si chère aux partisans modérés du Concile. Maintenant, nous allons parler de la société ouverte et de religion ouverte. Cette analyse ne serait guère complète sans un mot sur le néo-langage, si populaire dans la sphère ecclésiastique. Le vocabulaire catholique traditionnel a été délibérément modifié afin de changer le contenu qu'il exprime. La même chose s'est produite dans la liturgie et la prédication, où la clarté de l'exposé catholique a été remplacée par l'ambiguïté ou la négation implicite de la vérité dogmatique. Les exemples sont innombrables. Ce phénomène remonte également à Vatican II, qui a cherché à développer des versions catholiques des slogans du monde. Néanmoins, je voudrais souligner que toutes ces expressions qui sont empruntées à des lexiques laïques font également partie du néolangage. Considérons l'insistance de Bergoglio en opposition à l'Église sortante pour l'ouverture comme valeur positive. De même, je cite la Fratelli Tutti. Un peuple vivant et dynamique, un peuple qui a un avenir, est un peuple constamment ouvert à une nouvelle synthèse par sa capacité à accueillir les différences. Je cite à nouveau. L'Église est une maison aux portes ouvertes.
Nous voulons être une Église qui sert, qui quitte sa maison et sort de ses lieux de culte, sort de ses sacristies, afin d'accompagner la vie, de soutenir l'espérance, d'être le signe de l'unité, de construire des ponts, d'abattre des murs, de semer des graines de réconciliation. La similitude avec l'Open Society. Recherchée par l'idéologie mondialiste de Soros est si frappante qu'elle constitue presque un contrepoint à l'open religion. Et cette open religion est parfaitement en phase avec les intentions du mondialisme. Des réunions politiques pour un nouvel humanisme, béni par les dirigeants de l'Église, à la participation de l'intelligentsia progressiste pour une propagande verte. Tout cela poursuit la pensée dominante, dans la triste et grotesque tentative de plaire au monde. Le contraste avec les paroles de l'apôtre est évident. Je cite l'Épître aux Galates. Est-ce que je suis en train de vouloir gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou bien suis-je en train de vouloir plaire aux gens? Si je suis encore en train de vouloir plaire aux gens, je ne serai jamais un serviteur du Christ. L'Église catholique vit sous le regard de Dieu. Elle existe pour sa gloire et pour le salut des âmes. L'anti-Église vit sous le regard du monde, se pliant à l'apothéose blasphématoire de l'homme et à la damnation des âmes. Lors de la dernière session du Concile œcuménique Vatican II, devant tous les pères synodaux, ces étonnantes paroles de Paul VI ont résonné dans la basilique du Vatican. Je cite « La religion de Dieu qui s'est fait homme a rencontré la religion, car tel est le cas de l'homme qui se fait Dieu. » Et que s'est-il passé? Il y a eu un affrontement, une bataille, une condamnation. Il y aurait pu y en avoir, mais il n'y en a pas eu. La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. Un sentiment de sympathie sans limite a imprégné l'ensemble. L'attention de notre Concile a été absorbée par la découverte des besoins humains. Et ces besoins augmentent proportionnellement à la grandeur que le Fils de la Terre revendique pour lui-même. To the greatness which the Son of the Earth claimed for himself. Mais nous appelons ceux qui se disent humanistes modernes et qui ont renoncé à la valeur transcendante des réalités les plus élevées, à accorder au Concile au moins une qualité et à reconnaître notre propre nouveau type d'humanisme, nous aussi, en fait plus que les autres, nous honorons l'humanité. Cette sympathie, c'est la figure du Concile et de la nouvelle religion telle qu'elle se présente, l'anti-Église. Une anti-Église née de l'union impure entre l'Église et le monde.
entre la Jérusalem céleste et la Babylone infernale. Notez bien, la première fois qu'un pontife a mentionné le nouvel humanisme, c'était lors de la session finale de Vatican II. Et aujourd'hui, nous le retrouvons répété comme un mantra par ceux qui le considèrent comme une expression parfaite et cohérente de l'état d'esprit révolutionnaire du Concile. Toujours en vue de cette communion d'intention entre le nouvel ordre mondial et l'anti-Église, il faut rappeler le Global Compact on Education. Un projet conçu par Bergoglio et promu en collaboration avec les Nations Unies. Je cite, « Pour générer un changement à l'échelle planétaire, afin que l'éducation soit créatrice de fraternité, de paix et de justice, un besoin encore plus urgent en cette période marquée par la pandémie. » Fin de la citation. Ce projet a été soutenu et diffusé à toutes les institutions éducatives par la Congrégation pour l'éducation catholique, par le biais d'une lettre qui fait explicitement référence à la constitution conciliaire Gaudium et Spes. Le pacte mondial pour l'éducation, je cite, est un processus de formation par la relation et par la culture de la rencontre, qui trouve également un espace et une valeur dans la maison commune, avec toutes les créatures, puisque les gens, tout comme ils sont formés à la logique de la communion et de la solidarité, travaillent déjà à retrouver une harmonie sereine avec la création et à configurer le monde comme un espace de vraie fraternité. Fin de la citation. As a space of true brotherhood. Close the quote. As can be seen, comme on peut le voir, la référence idéologique vient toujours et uniquement de Vatican II. Car ce n'est qu'à partir de ce moment que l'anti-Église a mis l'homme à la place de Dieu, la créature à la place du Créateur. Le nouvel humanisme a clairement une trame environnementale et écologique, dans lequel se greffe à la fois l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune et la théologie verte, l'Église au visage amazonien du synode des évêques de 2019 avec son culte idolâtre de la Pachamama en présence du Sanhédrin romain. L'attitude de l'Église pendant le Covid-19 a démontré, d'une part, la soumission de la hiérarchie au diktat de l'État en violation du Libertas Ecclesiae, que le pape aurait dû fermement défendre. D'autre part, elle a également mis en évidence le déni de toute signification surnaturelle de la pandémie, remplaçant la juste colère de Dieu offensée par les innombrables péchés de l'humanité et des nations, par la fureur plus inquiétante et destructrice de la nature offensée par le manque de respect pour l'environnement. Je voudrais souligner que l'attribution d'une identité personnelle à la nature, presque dotée d'intellect et de volonté, est un prélude à sa divinisation. Nous avons vu un tel prélude de ça
sous le dôme même de la basilique Saint-Pierre. L'essentiel est le suivant. La conformité de l'anti-Église à l'idéologie dominante du monde moderne établit une véritable coopération avec les puissants représentants de l'État profond, à commencer par ceux qui œuvrent en faveur d'une économie durable, impliquant Jorge Mario Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, pour n'en citer que quelques-uns. Permettez-moi de dire un bref mot sur la situation politique aux États-Unis à la veille de l'élection présidentielle. La Fratelli Tutti semble être une forme de soutien du Vatican aux candidats démocrates, en claire opposition à Donald Trump, et survient quelques jours après que le pape François ait refusé d'accorder une audience au secrétaire d'État Mike Pompeo à Rome. Cela montre de quel côté se trouvent les enfants de la lumière et qui sont les enfants des ténèbres. Je vais parler de la fondation idéologique de la fraternité. Le thème de la fraternité, une obsession pour Bergoglio, trouve sa première formulation dans le Nostra Aetate et le Dignitatis Humanae. La dernière encyclique, Fratelli Tutti, est le manifeste de cette vision maçonnique, dont le slogan « Liberté, égalité, fraternité » a remplacé l'Évangile au nom d'une unité entre les hommes et qui laisse à l'écart Dieu. Notez que le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et le vivre ensemble, signé à Abu Dhabi le 4 février 2019, a été fièrement défendu par Bergoglio avec ces mots. Je cite. D'un point de vue catholique, le document n'a pas dépassé d'un millimètre le Concile Vatican II. Fin de la citation. Le cardinal Miguel Ayuso Gixo, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, commente dans la Civita Catholica, je cite, l'engagement de l'Église catholique en faveur du dialogue interreligieux qui ouvre la voie vers la paix et la fraternité fait partie de sa mission religieuse et trouve son origine dans l'événement conciliaire. Fin de la citation. Une fois de plus, le cancer du Vatican II confirme qu'il est à l'origine de la métastase bergolienne. Le fil rouge qui unit le concile au culte de la Pachamama laisse aussi par assise, comme mon frère Anastasius Schneider l'a souligné à juste titre dans son récent discours. Et en parlant de l'anti-Église, l'archevêque Fulton Sheen décrit l'antéchrist. Je cite, « Comme sa religion sera la fraternité sans la paternité de Dieu, il trompera même les élus. » Il semble que la prophétie du vénérable archevêque américain se réalise sous nos yeux. Il n'est donc pas surprenant que la tristement célèbre Grande Loge d'Espagne
après avoir chaleureusement félicité son chevalier monté sur le trône, rend une nouvelle fois hommage à Bergoglio par ces mots. Je cite « La dernière encyclique du pape François montre à quel point l'Église catholique actuelle est éloignée de ses positions antérieures. Dans la Fratelli Tutti, le pape a adopté la fraternité universelle, ce grand principe de la franc-maçonnerie moderne. » Fin de citation. La réaction de la grande loge maçonnique italienne n'est pas différente. Je cite « Ce sont les principes que la franc-maçonnerie ont toujours suivis et gardés pour faire grandir l'humanité. » Fin de citation. Je me souviens que depuis le XIXe siècle, dans les documents maçonniques de l'Alta Vendita, une infiltration de la franc-maçonnerie dans l'Église était prévue. Je cite « Vous aussi, vous pêcherez quelques amis et les mènerez au pied du siège apostolique. Vous aurez prêché la révolution. Vous aurez procédé sous la croix et la bannière à une révolution qui n'aura besoin que d'un coup de pouce pour enflammer les quartiers du monde. Je vais maintenant parler de cause et effet. La philosophie nous enseigne qu'à une cause correspond toujours un certain effet. Nous avons vu que les actions menées pendant le Vatican II ont eu l'effet souhaité, concrétisant ce tournant anthropologique qui a conduit aujourd'hui à l'apostasie de l'anti-Église et à l'éclipse de la véritable Église du Christ. The eclipse of the true Church of Christ. We must therefore. Nous devons donc comprendre que si nous voulons défaire les effets néfastes que nous voyons devant nous, il est nécessaire et indispensable d'éliminer les facteurs qui les ont causés. Si tel est notre objectif, il est clair que si l'on accepte et même partiellement, ces principes révolutionnaires, cela rendrait notre effort inutile et contre-productif. Nous devons donc être clairs sur les objectifs à atteindre, en menant nos actions en fonction de ces objectifs. Mais nous devons tous être conscients que dans ce travail de réparation, aucune exception au principe n'est possible, parce que c'est précisément en ne les partageant pas que l'on peut avoir une chance de succès. Mettons donc de côté, une fois pour toutes, les vaines distinctions concernant la bonté présumée du Concile, la trahison de la volonté des Pères synodaux, la lettre et l'esprit du Vatican II, le poids magistral ou l'absence de poids de ces actes et l'herméneutique de la continuité par rapport à l'herméneutique de la rupture. L'anti-Église a utilisé l'étiquette de « concile œcuménique » pour donner autorité et force juridique à son programme révolutionnaire, tout comme Bergoglio appelle son manifeste politique d'allégeance au nouvel ordre mondial une lettre encyclique. La ruse de l'ennemi a isolé la partie saine de l'Église, tiraillée
entre devoir reconnaître la nature subversive des documents conciliaires et donc de les exclure du corpus magistral et devoir nier la réalité en les déclarant apolitiquement orthodoxes afin de sauvegarder l'infaillibilité du magistère. La Doubia représentait une humiliation de ces princes de l'Église, mais sans dénouer les nœuds doctrinaux portés à l'attention du pontife romain. Bergoglio ne répond pas, précisément parce qu'il ne veut pas nier ou confirmer les erreurs implicites, s'exposant ainsi au risque d'être déclaré hérétique et de perdre la papauté. C'est la même méthode que celle utilisée avec le Concile, où l'ambiguïté et l'utilisation d'une terminologie imprécise empêchent la condamnation de l'erreur qui a été sous-entendue. Le juriste sait très bien qu'outre la violation flagrante de la loi, on peut aussi commettre un crime en la contournant, en l'utilisant à des fins malveillantes. Contra legem fit, quod im fodem legis fit. Le latin dit « ce qui contourne la loi est contre elle ». The Latin would say, what circumvents the law is against it. To conclude. Pour conclure, la seule façon de gagner cette bataille, c'est de revenir à ce que l'Église a toujours fait et d'arrêter ce que l'anti-Église nous demande de faire aujourd'hui, ce que la véritable Église a toujours condamné. Remettons notre Seigneur Jésus-Christ, roi et grand prêtre, au centre de la vie de l'Église et surtout au centre de la vie de nos communautés, de nos familles et de nous-mêmes. Rendons la couronne à Notre-Dame, la très sainte Marie, reine et mère de l'Église. Revenons à célébrer dignement la sainte liturgie traditionnelle et à prier avec les paroles des saints et non avec les divagations des modernistes et des hérétiques. Recommençons à savourer les écrits des pères de l'Église et des mystiques et à jeter au feu les œuvres imprégnées du modernisme et de sentimentalisme immanent. Soutenons par la prière et l'aide matérielle les bons prêtres qui restent fidèles à la vraie foi et retirons tout soutien à ceux qui ont accepté le monde et ses mensonges. Et surtout, je vous le demande au nom de Dieu, abandonnons ce sentiment d'infériorité que nos adversaires nous ont habitués à accepter. Dans cette bataille pour le Seigneur, ce n'est pas nous qu'ils humilient. Nous méritons certainement chaque humiliation pour nos péchés, mais ils humilient la majesté de Dieu et l'épouse de l'agneau immaculé. La vérité que nous embrassons ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ignorer la vérité ou accepter qu'elle doive se justifier devant les hérésies et les erreurs de l'anti-Église n'est pas un acte d'humilité, mais de lâcheté et de pusillanimité. Inspirons-nous de l'exemple des martyrs, saint Maccabée, face à ce nouvel Antiochus qui nous a demandé des sacrifices pour les idoles et d'abandonner le vrai Dieu. Utilisons leurs paroles pour prier le Seigneur. Maintenant, ô souverain des cieux,
Maintenant aussi, dominateur des cieux, envoyez votre bon ange devant nous dans la crainte et la frayeur de la grandeur de votre bras, afin qu'il craigne ceux qui viennent avec le blasphème contre votre saint peuple. Permettez-moi de conclure mon intervention d'aujourd'hui par un souvenir personnel. Lorsque j'étais nonce apostolique au Nigeria, j'ai appris à connaître une magnifique tradition populaire issue de la terrible guerre du Biafra qui se perpétue encore aujourd'hui. J'y ai personnellement participé lors d'une visite pastorale à l'archidiocèse d'Onitsha et j'en ai été très impressionné. Cette tradition, appelée Block Rosary Children, consiste à rassembler des milliers d'enfants, même très jeunes, dans chaque village ou quartier, afin de réciter le Saint Rosaire pour implorer la paix. Chaque enfant tenant un petit morceau de bois, comme un mini-autel, avec une image de la Vierge et une petite bougie dessus. Dans les jours qui précèdent le 3 novembre, j'invite tout le monde à participer à une croisade du rosaire, une sorte de siège de Jéricho, non pas avec cette trompette en corne de bélier sonnée par les prêtres, mais avec l'Ave Maria des petits et des innocents, pour faire tomber les murs de l'état profond et de l'Église profonde. The walls of the deep state and of the deep church. Joignons-nous aux petits avec un rosaire d'enfants, implorant la femme vêtue de soleil, afin que le règne de Notre-Dame et Mère soit restauré et que l'éclipse qui nous afflige soit brève. Et que Dieu bénisse ses saintes intentions. May God bless the holy intentions.